so scary, kids will fall off my chair, and I wonder how I'll get on the stairs. Clowns to live for me. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre tutoriel en plein air. Je suis encore une fois à Baie-Saint-Paul et cette fois-ci, je vous montre la chanson du groupe Stealers Wheel, Stuck in the Middle with You, qui est leur plus grand succès. En fait, leur seul succès. On aime ça, les One Hit Wonder, et cette chanson-là est une chanson parfaite pour pratiquer votre slap. OK? On a du bon vieux. Et c'est vraiment ça qui va venir chercher l'essence même de la chanson. Donc, vous allez devoir donner des beaux gros coups de slap pour aller chercher ce qu'il faut dans cette chanson. Côté rythme, je vais vous donner deux options. Personnellement, j'aime beaucoup faire le rythme que j'appelle Proud Mary. On appelle ça le rythme Proud Mary dans le programme Liberté et Facilité. Ça va comme suit. Bas, oh, slap, oh, 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 bas, oh, slap. Super facile à faire, super facile à chanter en même temps également. C'est un rythme qui est très espacé, qui est plaisant pour cette chanson-là, mais qui n'est pas exactement le rythme que eux ils font sur l'enregistrement. Sur l'enregistrement, ça ressemble plus à... OK, on a comme un double slap. Bas, oh, oh. C'est bas, oh, slap, oh, oh. Il y a oh, slap, oh, slap, oh, slap. Bas, oh, slap, oh. Slap, slap, je suis pas capable de le dire en même temps. When I don't know why I came here tonight, I got a feeling that something ain't right. I'm so scared, he's up on my chair, and I wonder how I get on the stairs. OK, donc je vous permet de choisir celui que vous préférez. Moi, personnellement, j'aime mieux le rythme Proud Mary pour celle-là. Je trouve que c'est plus espacé. Donc, on est prêt à commencer la chanson. Avant d'aller aux accords, si vous désirez le faire, il y a une petite introduction qui est très intéressante. On va venir ici à la 7e frette avec le majeur et l'annulaire. Majeur à la 7e frette de la corde de sol. L'annulaire à la 7e frette de la corde de si. Et on va piquer les 4 dernières cordes. Ensuite, on va transposer nos doigts ensemble à la 5e frette. Ensuite, on garde le majeur sur la corde de sol, on le baisse à la 4e frette. L'index va venir à la 3e frette de la corde de si. On pique encore une fois les 4 dernières cordes et on garde cette position-là et on la descend de 2 frettes pour avoir notre majeur à la 2e frette de la corde de sol et l'index à la 1re frette de la corde de si. Donc on a ça. Et on va y donner un petit rythme. Et ici à la toute fin, je vais lever mon index et le remettre pour faire un petit effet. Si vous faites des petites variations là-dessus, il n'y a pas de problème, des petites variations rythmiques. Donc, allez-y, écoutez la chanson, écoutez ce que je fais, faites votre propre version. Moi, j'aime bien le faire de cette manière-là. Et par la suite, on passe au... Well, I don't know why I came here tonight. I got a feeling that something ain't right. So I'm so scared in case I fall off my chair. And I wonder how I'll get on the stairs. Like clowns to the left of do. Ensuite, on va aller en do. à un sol assez rapidement et on va changer sur les contretemps, entre deux temps. Donc, pour le couplet, vraiment très simple, on a un Ré pendant très longtemps, on va à un Sol, on revient à un Ré. Well, I don't know why I came here tonight. Ré encore. I got a feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. Ré. And I wonder how I'll get on the stairs. Attention, là. Et on reprend le rythme. Donc vraiment, la seule partie qui pourrait vous causer un peu plus de problèmes, c'est ici le changement assez rapide entre le Do et le Sol. On a un La. Donc lentement. On a un La majeur. On continue le rythme dessus. Donc après un slap, on va venir chercher le Do tout de suite. Même chose sur le Sol. Et par la suite, on va revenir chercher le Ré majeur. Et la structure de la chanson va être très similaire tout au long. Il y a juste à un moment donné après le refrain. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Well, you're starting off with nothing, and you're proud that you're a self-made man. On alterne entre le Sol et le Ré. And your friend, they all come crawling, slap you on the back and say, please. On a un petit break ici. Please. Qu'on va venir faire un La mineur. Vous pouvez faire également un La mineur 7. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de soulever votre annulaire ici pour laisser la corde de Sol à vide, qui vient ajouter une petite couleur à l'accord qui est très plaisant. Et on va reprendre. Donc, je la joue une fois les parties principales, toutes les parties principales ensemble, et puis par la suite, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller écouter la version originale pour ajouter cette chanson à votre répertoire. Donc, on commence avec l'introduction. I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I wonder how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Well, you're starting off with nothing, and you're proud that you're a self-made man. And your friend, they all come crawling, slap you on the back and say, please, please. Et puis on va reprendre ce bon vieux Ré, le couplet, le refrain et jusqu'à la fin de la chanson. Alors comme toujours, si vous avez apprécié ce tutoriel en plein air, dans Charlevoix, laissez-nous un thumbs up, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne JeJoueDeLaGuitare.com et allez faire un tour sur notre site web pour plein de bons cours de guitare. Je vous souhaite à tous une belle journée.